honneur aux femmes dans ce journal. Une étude sur les femmes et le travail en Europe rappelle que vous êtes admirables, mesdames. Vous conjuguez votre vie familiale et professionnelle avec bien du mérite. Que pensez-vous des femmes qui travaillent ? Je ne suis pas d'accord. Je préfère la femme à la maison. Elles sont sur tous les fronts. Elles assurent et comment ? Épouses, mères, cuisinières, ménagères et femmes actives, vis-à-vis de ses voisines européennes, les Françaises cumulent les exploits. Est-ce que vous êtes pour ? Bah oui, ça leur donne une certaine impression d'égalité avec l'homme. Hein. Grosso modo, on peut dire que les jeunes filles se préparent davantage au secrétariat et les garçons en carrière de la comptabilité et de l'informatique. La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Le mari devra gagner suffisamment d'argent pour qu'une femme puisse rester au foyer et que le foyer puisse vivre correctement. Allô ? Bonjour, monsieur. Monsieur François Durand ? Ah, ne quittez pas, monsieur, je vais voir. Je ne crois pas qu'un jour ou l'autre, la machine pourra se poser en rivale de la secrétaire. Un patron aura toujours besoin du mauvais caractère et de la diplomatie de sa secrétaire. Elle travaille le plus à temps plein, tout en étant les moins aidées à la maison. C'est la conclusion d'une très sérieuse étude du ministère du Travail. Les Françaises, un croisement très subtil de Cendrillon, Mary Poppins et Wonder Woman. Allô ? Oui, monsieur Durand est en conférence à l'extérieur, monsieur. Est-ce qu'on peut vous rappeler ? Bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh bien, au revoir, madame, et merci, madame, et bonjour à vous. Soyez les bienvenus pour ce 12e numéro du MAG de l'idée, pour tout savoir de l'actualité de l'association, bien sûr, et l'actualité tout court des environnements de travail. Au sommaire, aujourd'hui, vous l'avez donc compris, nous allons parler des femmes. La féminisation du métier de DET, notamment l'évolution des mentalités. Vous avez vu qu'il n'y a pas si longtemps, on était quand même, au niveau des mentalités, pas très avancé. L'évolution donc des mentalités, des environnements de travail pour tous les genres. Et alors, pour faire le point sur le sujet, Mario Fernandez nous éclairera dans quelques instants avec ses chiffres et un rappel historique. Nous parlerons aussi de vive voix avec nos invités Manon Chabot, responsable des services généraux chez Arcus, et Fanny Lamarque, DET chez Keolis, qui incarne justement cette nouvelle génération de femmes qui prennent la tête hein, des services généraux et qui partageront avec nous leur expérience, comment ça s'est passé pour elles dans leur début, dans le métier, ce que cette féminisation peut apporter de positif aussi aux environnements de travail. Dans le repéré pour vous, je vous présenterai des solutions adaptées aux mamans célibataires qui travaillent. Et puis, femmes toujours, femmes à l'honneur avec la team de la com, Clémentine et Chloé, qui nous présenteront l'actu de l'association. En tout cas, quel que soit votre genre, homme ou femme, vous pourrez bien sûr à tout moment interagir avec nous, nous poser des questions, faire des remarques dans la partie chat hein, sur le côté droit de votre écran, bien sûr, tout au long de ce mag que nous allons débuter exceptionnellement avec celle qui a marqué l'association, puisque le mag est un magazine d'actualité. On va lui offrir cet honneur de débuter cette émission. C'est la nouvelle présidente de l'idée, Séverine Pilverdier. Séverine, que vous allez pouvoir mieux connaître avec cet entretien qu'elle nous a accordé au nouveau siège de BNP Paribas Real Estate, un portrait tout en décontraction qui nous a aussi permis de visiter ce très bel écrin tout de suite. Et pour commencer donc, reportage. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir ici à Metal 57, nouveau siège de BNP Paribas Real Estate. D'ailleurs, ça fait quoi d'être ici, de nous accueillir ici et de voir le résultat, toi qui, avec ton équipe, a travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de ce nouveau siège ? Ben, un grand sentiment de fierté parce que du coup, on voit la satisfaction des équipes qui ont travaillé donc, sur le projet. On voit la satisfaction de la direction générale parce qu'on devait être la vitrine de notre savoir-faire. Ouais. On a réussi. Et on voit aussi la satisfaction de l'ensemble des collaborateurs qui, chaque jour, sont ravis de venir et donc de passer du moment ensemble dans ce bel immeuble. Ils sont heureux de travailler là ?
Oui, on a un très bon taux de présence qui le confirme. On a 80% de collaborateurs qui viennent chaque jour, donc c'est un très très bon taux. Alors, peux-nous nous présenter en quelques mots ce nouveau bâtiment, ce nouveau siège? Oui, c'est un centre immobilier de 37 000 m2. Donc effectivement, on a les équipes de BNP Paribas Real Estate qui sont présentes dans le site. On a également 5 belles enseignes à nos côtés, donc qui prennent la moitié des surfaces. Après, c'est un ancien atelier de Renault qui a été conçu par Claude Vasconi dans les années 80. Ouais. Et donc avec Dominique Perrault, on a eu l'ambition en fait de vouloir conserver la partie historique de l'immeuble et d'intégrer un nouvel immeuble de 8 étages. En fait, on a fait de la restauration et de la création d'immeubles. Mais oui, parce qu'en fait, quand on voit l'extérieur, c'est à l'identique quasiment de ce que c'était quand ça a été détruit pour être reconstruit. Exactement. En fait, on a démonté les chaînes, on les a préservées et ouais. on les a remis en fait sur l'ancien immeuble, sur la nouvelle structure. Bon, en quoi Metal 57 est un projet immobilier innovant? Parce qu'en fait, on veut être notre vitrine, donc c'est important de savoir, de montrer en fait à l'ensemble de nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, ce qu'on sait faire. Ouais. Et donc du coup, maintenant, on s'instaure dans de l'immobilier durable. Donc du coup, en fait, on a fait attention à préserver donc le bas carbone, de faire beaucoup d'économies circulaires, de valoriser le bien-être et la qualité de vie au niveau du travail. On découvre cet ensemble immobilier en images. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, des soucis, des difficultés pour la réalisation de ce projet? Alors, on est arrivé en 2022, ouais. donc bien évidemment, le cœur du projet a été mis pendant la crise sanitaire. Donc, la grosse difficulté qu'on a eue, c'est de garder la cadence, de garder le rythme, de surtout conserver les échéances, garder la cohésion aussi avec des équipes parce qu'on était tous à distance. Et après, il a fallu qu'on tienne les délais par rapport aux ruptures de stock, par rapport aux maladies. Donc voilà. Donc c'était un très beau challenge, mais on a réussi dans les temps. Ils sont contents, ton équipe, d'y être maintenant, d'être dans ces lieux, de profiter de ce nouveau siège? On est contents. En plus, on est récompensés. On a eu des très, très beaux prix de l'immobilier. Donc voilà, c'est une belle, belle satisfaction. Et toi, ta satisfaction personnelle? C'est d'avoir réussi ce projet. Je suis venue en partie pour ce projet chez BNP Paribas Real Estate. On a réussi, c'était compliqué, mais on y est parvenu. C'était une de tes motivations pour rejoindre... Exactement. Ah, ça, je ne le savais en pas. En fait, je suis arrivée en juin 2019 ouais. pour reprendre effectivement la partie donc, direction environnement de travail, mais aussi parce qu'il y avait ce gros projet. Et en fait, quand on est directeur environnement de travail, la création d'un nouveau siège social, je pense que c'est un des projets les plus emblématiques qu'on peut avoir dans sa carrière. Donc, tu es venue pour un challenge. Je suis venue pour un challenge. Tu es une femme de challenge. Exactement. On va pouvoir découvrir qui tu es. Plus en détail, on a voulu s'amuser à travers un petit portrait chinois à te poser quelques questions pour mieux te connaître, pour que les adhérents, les membres de l'idée te connaissent un peu mieux. Ça va être super. Mais si, on va passer un bon moment, Séverine. Un petit portrait chinois, juste pour le fun, pour le plaisir. Si tu étais un animal, tu serais? Je dois en dire qu'un seul ou je peux en dire deux? Tu as le droit à deux, exceptionnellement parce que c'est ta première interview pour le MAG en tant que présidente de l'idée. Ok, le premier, ce serait une fourmi. Pourquoi? Pour son côté au niveau de l'organisation, pour son côté courage, pour ouais. son côté partage et pour son côté proactif. Travailleuse Travailleuse, oh. proactive parce que du coup elle met des réserves pour les libères, ouais. Organisée parce que chacun a bien son rôle et chacun le tien. Ouais. Et partage parce que j'ai appris une chose récemment, c'est qu'elle a deux estomacs. Un pour se nourrir elle-même et un autre pour partager avec ses petits amis. Et alors le deuxième animal? Une girafe. Pourquoi? Parce que ça a une grande vision, ça voit de loin et donc ça a tout l'horizon, c'est très clair. Donc prendre de la visibilité et de la hauteur. Donc on a l'infiniment petit avec la fourmi. Exactement. Et l'infiniment haut avec la girafe. Bah, la thèse et l'antithèse, exactement. Ça se complète pas mal. Si tu étais un pays? Basiquement, la France. Pourquoi? C'est mes racines. C'est, le tu viens d'où toi? Je viens de Bretagne, je viens de Dinan. Très belle ville. Charmante ville. Avec un port, avec une cité médiévale, pas très loin de la mer, des Bretons. Avec la Rance qui traverse. Exactement. Parfait. Et donc, si tu étais un pays, la France et pourquoi? Donc, pays de mes racines, comme je l'ai dit précédemment, et aussi parce que c'est le pays des droits de l'homme. Donc, je pense que c'est un pays où on a la liberté de s'exprimer, on a la liberté d'avoir ses positions, on peut défendre, se défendre. Et après, d'un point de vue, on va dire, sécurité, on est quand même très bien. Et on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que finalement, je pense qu'on est très, très bien chez soi. On est bien en France. Voilà. Et en plus, on a des paysages qui sont magnifiques. Ben oui. On a tout. On a les montagnes, on a la mer, on a la campagne. Tu retournes en Bretagne beaucoup ou pas? Régulièrement, oui. Ouais. J'ai ma famille qui est encore là-bas. C'est ta région préférée de France ou pas? Je ne dirais pas ça, parce que j'aime beaucoup le ski, donc j'ai un peu de mal de skier en Bretagne. Ah oui, dans les monts d'Arrée, il n'y a plus trop de pistes. Hein, c'est ça. Ils ont arrêté. Hein. Ou alors une piste verte. Et l'eau est un peu froide quand même. Oh non! Ah si. Oh non, non. Si, je ne me baigne pas. Même dans le golfe du Morbihan?
Allez. Oui, mais c'est pas mon coin, ça. Ah non, c'est vrai. Donc, c'est plus les côtés Côte d'Armor ou côté Dinard, quoi, on va exactement. Dire. Il est vilaine. Ouais. Si tu étais un film. Alors, je serais de science-fiction. Tiens, tiens, pourquoi ? Parce que ça sort de la réalité, ça nous permet d'aller vers un autre monde. Mmh. Et après, le film, c'est juste parce que je pense que c'est le premier film aussi que j'ai vu au cinéma. Ouais. Donc, ça serait E.T. l'extraterrestre. Tiens ! Voilà. Donc, téléphone, maison. Exactement. parce que je pense que c'est le film qui m'a donné beaucoup d'émotions. Ouais. J'étais toute jeune et je pense que je suis passée par le rire, par les joies, par les pleurs. Ouais. Et voilà, donc je trouve que c'était une très très belle histoire. Tu as rêvé d'être Drew Barrymore ? Oui et non. Pour son avenir, non. Si tu étais une chanson ? Je serais Bohemian Rhapsody. Ah tiens, pourquoi ? De Queen ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est... Alors déjà, une première chose, parce que c'est de la même année que l'idée. Ah, ça, c'est bien vu ! C'est bien vu, hein ? Alors, tu l'as potassé ou tu l'as découvert par hasard ? Un peu potassé. Très bien. Non, après, c'est surtout pour la diversité. En fait, c'est un changement de rythme. On voit qu'il y a quand même la partie opérette avec du rock. Bien sûr. Et en fait, on voit que malgré cette mixité, on arrive à avoir une belle orchestration et un beau chef-d'œuvre. Bien vu. Si on se met dans le contexte de l'environnement de travail qui nous intéresse au premier chef et qu'on continue ce portrait chinois, quel est ton objet ou ton outil indispensable au travail ? Mon téléphone. D'ailleurs, je suis perdue, je ne l'ai pas sur moi parce que j'ai peur que ça sonne, mais voilà, il faut toujours mon téléphone sur moi. Combien de coups de fil par jour, tu sais ou pas ? Je ne les compte plus, mais en fait, le téléphone, il me permet d'avoir mes mails, il me permet d'avoir des visios, il me permet d'assurer mes réunions, il me permet aussi d'être par mes proches aussi de me contacter. Donc, c'est mon outil indispensable. Quel est ton endroit préféré sur ton lieu de travail ? La rue intérieure. Alors, on la découvre en image. Hein. On vous la montre, cette rue intérieure de métal 57. C'est vraiment une rue. Hein. C'est une rue qui est complètement traversante au niveau de l'immeuble. C'est une rue qui est ouverte au public. Donc, c'est un endroit qui est ERP au niveau de l'immeuble. Ouais. Et après, c'est l'endroit aussi où c'est le carrefour de l'ensemble des services. Donc, c'est l'endroit où les gens se rencontrent, s'assoient. On peut se poser pour y travailler, faire des réunions informelles. On a aussi des passants de Boulogne qui se posent. On a un wifi public, donc on peut prendre un café et se poser et se poster. Donc, j'aime beaucoup ce lieu. Ça peut être un espace de coworking pour qui veut. Exactement. Très bien. Quel est le service que tu utilises le plus au travail ? C'est celui où on est là. C'est-à-dire ? C'est mon espace de corpo working. Ouais. Parce que pareil, c'est comme la rue intérieure, c'est le carrefour en fait, des rencontres. Moi, ça me permet aussi de m'isoler parce que du coup, j'ai mon équipe qui est plutôt sur son lieu de territoire de préférence, on va dire. Et moi, ça me permet d'avoir par des box, de faire des petites réunions isolées. Ça me permet aussi d'être visible parce que je suis au niveau du rez-de-chaussée. Donc, je vois les gens entrer, je vois les gens sortir. Ça permet de croiser les personnes quand on a décidé de croiser. Quel moment que tu préfères dans la journée, dans ta journée de travail ? Le matin. Le matin, très tôt. J'aime beaucoup arriver quand l'immeuble est un peu endormi. C'est-à-dire Aux alentours de 8 heures. Ah ouais. En fait, on a les services qui commencent à se mettre en place. Parce que l'immeuble, je suis encore un peu seule, isolée. Les gens arrivent petit à petit comme des fourmis. Ouais, ils arrivent. Et après, c'est la mise au réveil de l'immeuble. Et après, on voit que tout le monde se met en fait, dans son quotidien. Et donc, j'aime beaucoup ce moment. Bon, le mot fourmi est revenu. Va falloir que je vois pour t'offrir le bouquin dédicacé au plus vite. Hein. Parce que je connais l'auteur, je vais m'arranger pour t'offrir ça. On va revenir au sujet qui nous intéresse dans ce mag. On parle des environnements de travail en tout genre. C'est le titre de ce 12e numéro. En fait, on évoque dans ce numéro la question de l'environnement de travail dans la lutte vraiment contre les discriminations, l'égalité des genres féminins, la féminisation notamment du métier de DET. Toi, en tant que présidente de l'idée, est-ce que tu penses qu'un directeur ou une directrice de l'environnement de travail peut être acteur, actrice en l'occurrence, de l'égalité des genres au sein de l'entreprise ? Alors, non seulement je pense, mais j'en suis convaincue. Pourquoi ? Je pense que c'est comme l'ensemble des directions des entreprises. Tout le monde doit effectivement agir en ce sens. En 2023, je ne comprends pas qu'on parle encore de conflit social. Donc, pour moi, c'est important de développer et d'accélérer en fait, la mixité dès l'embauche, de favoriser et de préserver les talents féminins et du coup, d'arrêter en fait, cette différence qui a pu subvenir et qui subvient encore dans certains domaines ou dans certaines entreprises. Est-ce que tu as déjà mis en place, toi, en tant que DET, des outils spécifiques justement pour les femmes ?
Alors moi, non personnellement. Par contre, je suis très fière de travailler chez BNP Paribas Real Estate. Parce Pourquoi? qu'en fait, ils sont sensibles depuis déjà quelques années. Ils ont lancé un programme en 2012 qui s'appelle Women in Leadership. Et donc, qui met en fait en avant donc, toutes les fonctions de management qui donnent place aux femmes. Tu l'as bien dit avec l'accent, hein. Ça, on a senti l'accent anglais. Hein. Women in Leadership. Et ils continuent dans la voie, puisqu'en ouais. fait, en 2022, ils ont également signé donc, la charte de la parité de l'immobilier, ouais. qui est en fait une charte qui a été conçue et pensée par le cercle des femmes de l'immobilier. Est-ce que tu as déjà été confrontée, toi, en tant que DET, à des besoins ou à des manquements liés justement au genre? Alors non, et c'est tant mieux. En fait, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance... dans ma carrière et depuis que je travaille dans les environnements de travail, ouais. on m'a donné la chance de faire des grands projets et j'ai eu la chance de pouvoir effectivement continuer à progresser au niveau de ma carrière. À évoluer, ouais, positivement. Ouais. Donc, je n'ai pas eu de frein. Tu n'as pas été confronté à ça? Non, non, parce que je pense que j'ai saisi les occasions et j'ai vraiment voilà, j'ai montré que j'étais là et qu'on pouvait aussi parvenir. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une féminisation hein, depuis plusieurs années de ce métier de DET, on le disait, qui au départ était réservé presque à des anciens militaires, à des hommes, et de plus en plus s'ouvre aux femmes. Pourquoi d'ailleurs, d'après toi, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent directrices d'environnement de travail? Je pense que le métier a beaucoup changé, il a ouais. évolué. Il y a encore 15 ou 20 ans, on était dans un métier qui était très physique, était très axé sur les déménagements, sur on bouge le mobilier. Ouais. Maintenant, on est au-delà de ça. C'est un métier où, en fait, même au sein des entreprises, on se rend compte que c'est un critère de sélection pour les candidats. Ouais. On fait vraiment partie des critères d'embauche parce qu'en fait, on représente ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle veut démontrer, l'envie qu'elle veut donner aussi à ses collaborateurs. Ouais. Et donc, maintenant, l'environnement de travail, on travaille vraiment sur le bien-être, sur l'image, sur les services qu'on va donner aux collaborateurs. Et donc, du coup, c'est vraiment pour moi des fonctions maintenant qui s'ouvrent autant aux hommes qu'aux femmes. C'est une des raisons pour lesquelles le fait qu'on veuille s'intéresser de plus en plus au bien-être, à ces notions-là, que le métier devient de plus en plus féminin. Je pense. Ouais. Et tiens, justement, si tu devais adresser un message à des femmes qui voudraient devenir DET, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais oser. En fait, on est souvent notre propre frein. Tout ce qui est la légitimité et les compétences, c'est plus du tout un sujet de genre aujourd'hui. Non, ouais. Donc pour moi, en fait, c'est une question d'appétence, c'est une question d'expertise, ouais. c'est une question de confiance. Ouais. Donc il y a un grand spirituel qui disait nous sommes maîtres de notre destin. Ouais, qui? Donc, je le connais Dalai pas. Lama. Ah bah tout simplement. Voilà. Et donc il faut juste avoir confiance en nous, confiance ouais. enfin ayez confiance en vous et surtout foncez si c'est votre passion, allez-y. Eh ben allons-y, profitons de ces années à venir au sein de l'INE, bah, exactement. Toi, en tant que présidente. Exactement. Félicitations. Bah, merci beaucoup. Bah, j'avais pas eu l'occasion de te le dire. On est ravis de t'avoir comme présidente et plein de bonnes choses pour l'avenir. On croise les doigts et tous ensemble, bah oui, on va y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Séverine donc, qui nous a accordé cet entretien, la nouvelle présidente de l'IDE. J'espère que vous avez pu mieux la découvrir à travers cet échange. On la salue, on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Elle évoquait les directrices de l'environnement de travail avec lesquelles nous échangerons tout à l'heure, la nouvelle génération, ces femmes qui ont pris le pouvoir, Manon et Fanny, nos deux invités. Mais pour le moment, et justement pour entrer dans le vif de notre sujet du jour, un petit édito rapide. D'ailleurs, pour respecter la neutralité des genres et ne pas mettre ni les femmes ni les hommes en avant, j'aurais pu vous saluer en disant « bonjour tout le monde » plutôt que « bonjour à toutes et à tous ». C'est d'ailleurs ce que préconisent certaines entreprises américaines maintenant, favoriser l'utilisation d'éléments de langage inclusif en remplaçant, par exemple, le courant est très familier « Hey guys » par « Hey team ». Comme ça, on ne prend pas de risque. Cela dit, avant même de se préoccuper à ne pas marquer le genre, on va peut-être s'intéresser déjà au statut de la femme dans le monde du travail. Vous avez vu le petit reportage en introduction tout à l'heure, il y avait des choses très choquantes. Et c'est vrai que les choses n'ont évolué que très récemment en France. Quelques dates clés, tiens, pour l'illustrer, 1946, c'est pas vieux 1946, suppression en 1946 de la notion de salaire féminin, seulement à ce moment-là. 1965, fin du consentement préalable du mari. Ça paraît fou, hein, mais avant cette date, avant 1965, la loi imposait aux femmes de demander
l'autorisation à leur mari pour pouvoir travailler. C'est réaliste. 1972, on se rapproche toujours, hein, on est à 51 ans d'aujourd'hui. Égalité de rémunération inscrite là aussi dans la loi, même si on le sait 50 ans plus tard, donc, que cette loi n'est pas toujours respectée. 1983, égalité pro-homme-femme, et encore plus surprenant, c'est seulement en l'an 2000, donc là, il y a 23 ans, qu'a été votée la levée de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Avant 2000, les femmes étaient censées ne pas travailler la nuit. C'est quand même fou. Donc, des exemples comme ça, c'est significatif, hein, mais parmi d'autres, pour illustrer le chemin parcouru. Et si on y ajoute donc que certains métiers ont longtemps été réservés aux hommes, eh ben on arrive à celui qui est le parfait exemple de l'évolution des mœurs, le nôtre, le vôtre, le responsable des services généraux, devenu avec le temps donc le ou la directrice de l'environnement de travail. Ce métier, on le disait, s'est considérablement féminisé ces dernières années. Séverine le disait il y a quelques instants, en parallèle bien sûr de l'évolution des lois, des mentalités sur le travail des femmes. Mais qu'en est-il de l'environnement de travail lui-même? Cette féminisation du métier et de la fonction a-t-elle contribué donc vraiment à mettre en place des services et des prestations qui répondent mieux ou plus aux besoins, aux attentes des collaboratrices? Quelles solutions participent à l'égalité des sexes et au bien-être de tous? Comment supprimer toute forme de discrimination au travail? Ça fait pas mal de questions, hein. Nous allons tenter d'y répondre, en tout cas tous ensemble, avec nos deux invités tout à l'heure, Fanny et Manon. Mais pour le moment, et pour resituer les choses dans leur contexte, Mario va nous éclairer. Jingle. Hello Mario, bonjour, bienvenue. Bonjour Miguel, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être là, notre lumière, pour nous éclairer. Donc, et je le disais, resituer les choses dans le contexte. On va d'ailleurs commencer, si tu le veux bien, avec l'histoire, un petit peu un retour en arrière sur la filière et sur ce métier qui, historiquement, a été conçu par et pour les hommes, non? Oui, c'est tout à fait ça. On pourrait dire que cette filière a été historiquement conçue par et pour les hommes. D'ailleurs, beaucoup d'experts situent les débuts des environnements de travail dans la logistique et l'intendance. C'est quelque chose que tu as évoqué dans l'interview avec Séverine. Mais c'est vrai, voilà, la logistique et l'intendance militaire sont souvent considérés comme les débuts des environnements de travail, des univers que bon, tout le monde, je pense, qui est au courant de cela, ce sont des univers très masculins, même aujourd'hui, malheureusement, même si les métiers se féminisent. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour les origines de la filière. Mais avant ça aussi, puisqu'on parle de l'histoire, quelques informations. Ouais. Est-ce que tu savais que jusqu'à la fin du 19e siècle, le terme employé de bureau était un terme qui était exclusivement masculin? Mais non. Voilà, il était littéralement, c'était littéralement une faute de dire, voilà, de l'utiliser au féminin. Donc voilà, juste pour te donner un exemple. Ouais. Et aussi, quand les femmes ont commencé à arriver au bureau, beaucoup d'espaces avaient des chaises qui étaient différentes pour les hommes et pour les femmes. Et dans c'est très choquant, hein, on pense c'est ça aujourd'hui, bon, même le penser en général. Et en plus, devine, Miguel, qui avait les chaises moins confortables? Bah, forcément, ouais, j'imagine bien. Mais ce qui est, c'est genre la dame, madame sur un tabouret, monsieur dans un fauteuil moelleux, quoi. Oui, voilà, j'ai pas exactement le design en tête, ouais. Mais c'est de ce que j'ai pu constater dans mes recherches, c'est qu'il y avait des chaises différentes et que les chaises pour les femmes étaient nettement moins confortables. Donc voilà, il y avait et ça c'est un bon exemple de montrer comment les espaces et les aménagements peuvent servir comme des obstacles liés au genre. On en parlera de ça un peu plus tard. Mais voilà, donc il y a eu tout ça historiquement. Heureusement qu'on a commencé à changer tout ça et qu'il y a eu des changements, surtout au 21e siècle. J'ai déjà évoqué quelques changements qui ont eu lieu par rapport à la loi. Mais voilà, donc on parlait avant de féminisation des postes des environnements de travail, surtout par rapport aux femmes. Bon, si on prend par exemple quelques chiffres des études socio-économiques de l'idée dans le temps, et si on part à 2008, on peut voir que 27% des DET étaient des femmes en 2008, mais qu'en 2020, on a déjà passé à 40%.
Donc voilà, une hausse de 13 points. Ça ne veut pas dire qu'on est strictement sur du 50-50, mais voilà, on se rapproche quand même d'une parité dans les métiers. Et voilà, après, on verra en 2024 ce que va donner les chiffres, puisque, et ça, c'est une information pour l'ensemble des participants et de notre réseau, en 2024, on va sortir une nouvelle étude socio-économique sur la profession de DET en France, et ça va faire partie justement des axes d'études, voir comment la parité en fait dans le métier a évolué. Donc voilà, quelques chiffres pour illustrer un peu la chose. Ouais. Alors, concernant la féminisation, pourquoi est-ce qu'on a vu cette féminisation dans le temps? Alors, il y a plusieurs facteurs. Séverine, d'ailleurs, dans l'interview, a évoqué pas mal de choses. Mais juste pour récapituler, les métiers techniques ne représentent plus la presque totalité de la fonction. On a parlé avant du travail un peu plus physique, déménagement, etc. Mais on peut parler aussi de métiers comme la maintenance, etc., qui, certes, continuent à être fondamentales dans nos métiers. Mais il n'y a pas que ça, ou en tout cas, la culture des environnements de travail est moins technique ou 100% technique. Donc voilà, ça c'est... Il y a ça. Il y a aussi le fait que les dimensions humaines et sociales ont été mises en avant dans le temps. Et ça a été une source d'attractivité pour des profils issus de métiers qui ont été traditionnellement plus féminins, comme par exemple les ressources humaines, comme la communication. Donc voilà, on a ce métissage de métiers ou d'approches, pour le dire d'une certaine manière. Et aussi, et ça on l'a vu par rapport aux vidéos du début, les mentalités ont quand même changé. Donc voilà, ça vaut pour le poste de DOT ou de directrice des environnements de travail, mais ça vaut aussi pour la notion de travail de femme en général en France et dans le monde, et heureusement. Donc voilà, il y a eu des progrès. Mais voilà, il y a encore du travail à faire. Voilà, il y a encore du travail à faire. Et justement, en parlant de travail à faire, parlons un peu des espaces aujourd'hui ou des espaces en général, puisque parfois, sans se rendre compte, on peut voir que les espaces peuvent être source de discrimination directe et indirecte. Juste pour te donner quelques exemples, Miguel, prenons les escaliers en colimaçon et les panneaux, voilà, transparents, parce que même s'ils sont élégants, souvent on les voit et esthétiquement, c'est très bien. Par contre, ils peuvent poser problème pour les personnes qui portent des robes ou des jupes. Voilà. Donc, c'est pour des raisons assez claires. Mais on peut parler aussi des grilles fontes qui posent problème dans les parkings et les entrées des bâtiments. Là, c'est plutôt les talents qui vont rester coincés dans ce type d'espace. Et ça peut être un risque pour la sécurité et pour la santé des personnes qui portent des talons. Parce que voilà, on peut avoir des problèmes sur la cheville, etc. Ouais. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont peut-être moins connus, comme la température des bureaux. C'est-à-dire historiquement, beaucoup de femmes ont eu l'impression de sentir trop froid dans certains espaces de travail. C'est logique d'une certaine manière, car la température du bureau idéale a été souvent déterminée sur la base du taux métabolique d'un employé moyen, mais dans les années 60. Donc, qui était un employé moyen dans les années 60 en France? Voilà, un homme. Donc, c'est-à-dire que voilà, souvent, la notion du métabolisme était un métabolisme masculin, et c'est quelque chose qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui commence à changer, et fort heureusement. Et bon, je peux parler aussi des toilettes genrées, et aussi le manque d'espace d'allaitement et de garde d'enfants, le manque d'hygiène, de produits d'hygiène féminins, etc. Donc voilà, ça c'est des manières dont comment les espaces et les services dans les espaces peuvent causer créer des frictions ou des obstacles de genre. Et alors Mario, voilà. les solutions préconisées, qu'est-ce qui est le plus demandé et en tête de liste des choses à faire, à changer ou à mettre en place pour lutter contre les discriminations? Alors, il n'y a pas une seule réponse, parce que ça va dépendre bien entendu du contexte de chaque entreprise. Mais déjà, juste pour commencer, il est très important au moment de l'aménagement des espaces de travail et de la conception des espaces d'intégrer plusieurs perspectives de genre dans le projet. En fait, c'est voilà, parce que des hommes, des femmes, des personnes d'un troisième ou quatrième genre vont avoir des perspectives différentes, tout simplement parce que leurs vécus vont être différents et leur relation à l'espace va être différente. C'est quelque chose qui vaut pour les bureaux, mais ça vaut aussi pour l'urbanisme, pour plein d'autres domaines qui commencent à intégrer justement ce type de perspectives. Donc voilà, en général, il faut dans des projets, dans le pilotage des projets, ces perspectives-là. Après, je peux donner des exemples pour les environnements de travail.
les toilettes non genrées avec des produits d'hygiène féminin, ça peut être une très bonne mesure dans le sens de l'inclusion, ouais, et de l'égalité homme-femme, des crèches, des salles d'allaitement. Il y a aussi des choses qui peut-être sont moins considérées, comme la féminisation des agents de sécurité et sûreté, ouais, puisque en fait, lors des entretiens que moi j'ai eus en tant que responsable du pôle études et prospectives avec des DET, j'ai été informé à plusieurs reprises que les salariés pouvaient se sentir plus à l'aise à parler avec des agentes par rapport à certains sujets de sécurité qu'avec des agents, pour une question de genre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions positives, non seulement sur la sécurité et la sûreté, mais aussi en général sur le confort des collaboratrices. Ouais. Oui, voilà. Donc il y a aussi d'autres choses comme les chaînes d'approvisionnement, établir des politiques et de pratiques pour promouvoir l'inclusion économique lors de la sélection de fournisseurs. Par exemple, chercher ou solliciter des fournisseurs qui respectent la parité chez eux, qui appartiennent aussi à des femmes dans des métiers qui sont souvent plutôt masculinisés, etc. etc. Et voilà, juste en général, d'autres idées. Ça, j'ai trouvé cette idée très intéressante. Il y avait en DET d'une entreprise cosmétique, que je ne vais pas citer, bien sûr, qui avait mis en place une application pour accompagner des salariés qui pourraient être victimes de harcèlement et de violences conjugales. Donc, avec cette application, en fait, on pourrait, les utilisatrices et les victimes de ce type de situation, ouais, pourraient contacter des groupes de support, des psychologues internes et les services de ressources humaines. Donc voilà, il y a plein de manières, ouais, de réagir et de travailler pour l'égalité homme-femme, pour les égalités de genre en général dans, ouais, les espaces de travail. N'hésitez pas d'ailleurs, vous qui nous regardez, à partager des idées peut-être que vous auriez mises en place, testées, des choses qui fonctionnent pour favoriser l'inclusion, l'égalité de tous, mettre en avant des solutions pour les femmes notamment. N'hésitez pas à nous écrire. Il y a Yves qui écrit « Pour les agents et agentes de sécurité, des missions demandées sont les mêmes, mais selon les sites, les salariés qui la composent, on adapte les agents. » Voilà. Un exemple concret. Tiens, puisqu'on est dans le concret, Mario, avant de te remercier, un petit rappel important, la campagne Busiratio est en cours et c'est jusqu'au 30 juin pour y participer, c'est ça? C'est exactement ça. Vous avez encore le temps de participer à la campagne des Busiratio. Voilà, si vous voulez qu'on parle sur comment participer à la campagne, sur l'état de vos comptes et de vos sites, n'hésitez pas à me contacter, mfernandez@id.fr. À tout moment, je suis disponible, bien entendu, dans le respect des heures de travail. Le week-end, bien évidemment. Oui, c'est ça, le dimanche soir. Merci beaucoup, Mario. Donc voilà, contactez Mario jusqu'au 30 juin pour participer à la nouvelle campagne des Busiratio, l'indicateur de référence, bien sûr, pour toutes et tous du métier. Merci beaucoup, Mario. Ce que je te propose, c'est que maintenant de voir vraiment, tiens, concrètement, comment ça s'est passé pour nos deux invités, Fanny et Manon, qui représentent, qui incarnent ces nouvelles directrices de l'environnement de travail. Merci, Mario. Merci, Miguel. Au revoir. Jingle. Voilà, elles nous rejoignent toutes les deux, nos deux invités du jour, Fanny Lamarque et Manon Chabot. Fanny qui est directrice de l'environnement de travail chez Keolis et Manon qui est DET chez Arcus. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Miguel, merci pour ton invitation. Merci beaucoup de traiter ce sujet qui est très important. Bonjour Manon, bienvenue, merci d'être là. Effectivement, on va traiter de ce sujet, vous êtes vraiment bien placée pour en parler, de la féminisation du métier outre la jeunesse. Là, c'est aux femmes que je m'adresse aujourd'hui. Et tiens, avant de parler de ce que vous avez pu, de ce que peut apporter cette féminisation, je voudrais déjà qu'on s'intéresse à vous deux, à vos expériences, parce que je pense que c'est assez enrichissant de savoir comment ça s'est passé pour vous. Fanny, comment ça s'est passé, tes débuts dans le métier? Comment tu as commencé? Comment tu as vécu ton métier de DET au départ? Je me suis sentie parfois un peu seule. Parce que dans les entreprises où j'ai pu exercer mes premiers pas dans l'environnement de travail, c'était des entreprises assez masculines. Et avec une catégorie d'hommes
diplômés comme des ingénieurs, on va dire, et le dialogue n'est pas toujours évident. Alors, on ne parle pas de jeunesse, mais je pense qu'être une femme et être une jeune femme, ouais, est parfois pas évident. Comme il le disait, bah, comme l'a très bien dit Séverine ou Mario ou même toi, ou même ouais, le reportage au début, c'est un métier qui vient des militaires, c'est un métier qui a été porté pendant des années par des hommes, c'est un métier qui a été pendant des années très opérationnel. Et aujourd'hui, bah, la femme apporte un côté un peu plus doux, un petit peu plus altruisme. Et on a ce côté de service d'une bonne maman qui adoucit un peu tout ça. Et c'est vrai qu'au tout début, c'est un peu dur de faire ses preuves, c'est un peu dur de se faire sa place. Bon, j'ai jamais été mis vraiment de côté, mais des fois il y a des réflexions, des fois il y a des petits pics qui sont lancés. Bon, voilà, donc on s'accroche et on avance. Manon, toi, ça s'est passé comment tes débuts? Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le métier au départ? Alors, sur mon poste actuel, j'ai eu la chance d'être en fait intégrée en amont par mon ancien tuteur d'alternance. Donc, je pense que ça a fortement aidé. Maintenant, alors c'est sûr qu'on remarque une certaine surprise, on va dire, ce qui n'est pas du tout négatif. Hein. La surprise, voilà, on a totalement le droit d'être surpris quand on voit une jeune femme, voilà, le combo, à un poste de responsable service généraux environnement de travail. Ouais. Je travaille dans une entreprise qui est assez masculine aussi, donc de la défense. J'ai jamais eu de comportement voilà sexiste direct, mais c'est vrai que ça peut arriver que dans certaines réunions, hein, que ce soit en interne ou en externe, voilà, d'être parfois un peu moins intégré que le collègue masculin, donc qui oblige un peu parfois à aller un peu plus sur le devant. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais pas, hein, mais on va pas s'adresser à toi pour certaines questions. Ça veut dire quoi au quotidien? Oui, ça va être plus voilà s'adresser pour les questions techniques aux collègues hommes qu'à moi. Voilà, faut parfois dans les échanges arriver à dire ben voilà, je suis pas experte technique, c'est pas mon métier. Par contre, j'ai des bases, j'ai un cerveau qui me permettent de comprendre et voilà, d'échanger, d'avancer sur le problème. Mais sinon, on pourrait contourner ton autorité, ta fonction. C'est déjà arrivé, oui, sur des questions techniques, parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, hein, sur les questions de nettoyage ou de restauration, on sait tout de suite me trouver. Mais parfois, les questions techniques, oui, on va se dire, bon, bah, on la met pas, c'est pas grave. Or, la partie technique, c'est aussi dans mon périmètre, donc ça passe aussi par moi. Et t'as connu ça, toi aussi, Fanny? Ce genre de problématique, ouais, où on te met de côté? Oui, je l'ai connu. Précédente expérience, il n'y a pas si longtemps, on m'a expliqué que la maintenance et tout ce qui concernait la climatisation, le chauffage, les travaux étaient beaucoup plus importants que mes histoires de nettoyage de toilettes et que de toute façon, je ne pouvais pas comprendre puisque ça ne faisait pas partie de mon langage ni de mes compétences. Je lui ai simplement rappelé les différents diplômes que j'avais obtenus et que sortant d'un bac avec une option électrotechnique, je pense que bon, voilà, je suis pas une experte parce que on peut pas être experte dans tout, comme le dit Manon, mais on a un cerveau, je pense qu'on sait s'en servir. Donc voilà, c'est parfois ces petits pics qui font que on se dit être une femme c'est pas si facile. Et quand je vois le reportage du début, je me dis mais Je peste de vivre ce que je vis aujourd'hui, mais j'aurais jamais pu accepter de vivre ce que les femmes ont vécu dans ces années-là. Et je dis un grand bravo et un grand merci à ces femmes qui se sont battues pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit là où on est. Ouais, et vous avez mérité d'être là où vous êtes, ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Au quotidien, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être une femme
fait que vous devez changer votre comportement, changer, ne pas être naturel, ne pas être complètement vous-même. Parfois, oui. Vas-y. Manon. Vas-y, Manon. Allez, j'y vais. Effectivement, c'est quelque chose que je ressens de temps en temps, comme j'en parlais précédemment, hein, de devoir un petit peu parfois être un peu plus rentre dedans, on va dire, histoire de montrer que voilà, on est là, on comprend le sujet. Donc, c'est un peu marcher sur un fil entre pour pas qu'on me laisse un peu de côté, il faut que je sois un petit peu plus sur le devant de la scène, que je me serais naturellement ou n'importe qui d'autre, un collègue masculin qui n'aura pas besoin de faire cet effort pour être inclus. Donc, de se dire, je ne veux pas être laissé de côté, j'ai besoin d'aller un peu plus loin dans la communication peut-être, mais en même temps, parfois, ça peut être un peu mal perçu de se dire, ah ben, on prend un petit peu trop de place et c'est pas habituel de voir une femme qui va aller un peu plus de l'avant. Donc il y a le côté du coup elle est un peu agressive, alors que c'est pas du tout le cas, mais voilà, faut trouver le juste équilibre. Tu es obligé parfois de faire preuve de plus d'autorité que tu c'est le ça. Fais naturellement. Fanny? Ouais, je rejoins tout à fait le discours de Manon. Il faut savoir sortir un peu plus les crocs, mais si on les sort trop, on est jugé comme étant trop autoritaire, trop agressive. Donc, c'est difficile de jauger. Après, oui, on change de comportement parce que finalement, on est obligé de s'adapter à l'interlocuteur qu'on va avoir en face de nous. Et on va être, je pense que le travail est plus compliqué puisqu'il faut opter pour le bon comportement pour être ni trop bien vu, ni trop mal vu, ni être trop sensible, ni être trop agressif. Enfin, voilà, je trouve que sur le job de la... finalement, c'est un peu ambigu et parfois un peu déroutant. On l'a entendu tout à l'heure avec Séverine, hein, qui disait que la féminisation du métier avait apporté des choses, notamment sur la notion de bien-être. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fanny ? 100% d'accord. Ouais. Je trouve que le métier, depuis quelques années, même depuis le démarrage, quand moi j'ai commencé, s'est énormément diversifié, a énormément évolué. Et je suis assez persuadée que la place de la femme y joue aussi un peu, ce côté apporter un peu plus de tendresse, apporter du service. On n'est plus dans un métier opérationnel de gestion du déménagement, du travaux, de la maintenance, de la sécurité ou simplement du nettoyage. Il y a aussi tout ce côté serviciel qui n'existait pas et qui a énormément pris d'ampleur. De la considération de l'humain, du bien-être et du confort en entreprise. Je dis pas que l'homme est pas du tout capable de faire ça. On n'est pas là dans les clichés, hein, bien sûr. C'est une généralité et je suis persuadée que il y a des hommes et des femmes à l'inverse qui ont ces comportements-là. Mais je pense que le côté féminin apporte ce petit plus dans le service. Manon, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que la féminisation du métier a pu apporter, amener comme point positif ? Alors, moi, je le vois un peu plus sur la partie, on va dire, opérationnelle et pas vraiment émotionnelle ou ce qu'on apporte comme touche. Ouais. Ça va être plutôt dans l'utilisation du bâtiment, tout simplement parce que le bâtiment, il est utilisé par les hommes, par les femmes. Avant, on avait principalement des responsables services généraux hommes. Donc, dans son utilisation du bâtiment, il va rencontrer parfois certains problèmes. Il va dire, ça m'a gêné dans mon utilisation du bâtiment, dans mon parcours client. Voilà, tout simplement. Et donc, automatiquement, trouver des solutions, mettre en place des services, des solutions qui correspondent en général un peu plus. C'est normal à ce que nous, on vit. Maintenant qu'il y a un petit peu plus de femmes à ces postes-là, ça va peut-être permettre aux responsables services généraux de se dire, moi, dans mon parcours, j'ai rencontré des choses qui me gênaient, sauf que comme je suis une femme, je vais mettre en place automatiquement des solutions qui vont profiter aux femmes utilisatrices du bâtiment. Est-ce que et en général... Oui. Non, pardon, vas-y, continue, excuse-moi.
J'allais dire qu'en général, sur les gestions, voilà, la gestion de projet, les nouveaux, voilà, le fait d'emménager dans un nouveau bâtiment, j'ai remarqué que dans les groupes projets, sur les questions de service, au départ, et celles qui le mettent, les personnes qui mettent voilà, les services sur la table le plus tôt dans le projet, en général, ce sont des femmes. Alors, ça va être voilà, repris aussi par les hommes qui vont dire bah, moi, ce service-là, je suis d'accord, voilà, super. Mais en général, c'est mis sur la table par les femmes. Et la gestion des conflits, alors, est-ce que ça change quelque chose que ce soit des femmes qui puissent s'en occuper de ces conflits? Je sais pas, hein? Parfois, oui, parce que peut-être qu'on a peut-être plus ce tact de l'échange et de l'acceptation du changement. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, tout ce sur quoi on est obligé de faire nos preuves et un peu de nous batailler, malgré tout, ça nous forge le caractère et ça nous permet d'être plus à l'écoute et plus à même de faire accepter certains changements. Et alors, Mais tiens, comme j'ai dit. vous parliez de nouveaux sites. Vous avez été, vous, toutes les deux, confrontées justement à des déménagements, à un emménagement dans un nouveau site. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui participe à vraiment à l'égalité des sexes, ou qui soit des services dédiés aux femmes, ou qu'on vous ait demandé de mettre en place, Fanny? Alors, service dédié aux femmes, j'en suis très contente et c'est la salle d'allaitement et la distribution d'hygiène féminine de manière gratuite dans les sanitaires des femmes. Et après, je trouve que les espaces qu'on a aménagés aujourd'hui chez Keolis reflètent. Alors, je trouve ça hyper bien. On a eu la chance d'avoir une équipe projet qui était majoritairement des femmes. Et en fait, c'est bête, mais ça se ressent dans l'aménagement parce qu'on est sur un aménagement qui est doux, qui dispose de couleurs. On n'est pas sur quelque chose de linéaire, de gris, de blanc. On a de la couleur, on a des petits espaces un peu informels et disruptifs. On a de la verdure, on a des choses qui sont rondes, des choses qui sont douces. Et je pense que finalement, ça, c'est des choix. Ça paraît bête, c'est peut-être dans la génétique, j'en sais rien. Mais c'est des choix qui sont quand même plus portés par des femmes que par des hommes. Voilà. Manon, toi, pour le futur site, il y a eu des C'est pour le choses, futur. voilà, qui ont été mises en place ou qui ont déjà été validées, qui étaient Alors, importantes. il y a des choses qui sont discutées. Ça, c'est sûr. Comme je Nickel. disais, la partie service, elle est vraiment et elle intéresse, dans un premier temps en tout cas, beaucoup les femmes. Alors, est-ce que c'est lié, voilà, à la charge mentale, à ce genre de choses qui, voilà, a beaucoup évolué, hein, on le sait très bien, mais qui peut être différente entre la femme et l'homme quand on parle de service de conciergerie. Je peux te dire que ça motive beaucoup. Alors, les femmes et les hommes, mais celles qui, dans un premier temps, vont militer en disant la conciergerie, c'est top, bah, c'est beaucoup les femmes. Parce que ça va peut-être permettre de rééquilibrer la charge mentale, de se dire, bah là, j'ai juste à déposer à la conciergerie, c'est super. Et derrière, ça va peut-être même pousser encore plus vers justement le fait de rééquilibrer cette charge mentale parce que voilà, peut-être qu'habituellement c'était la femme qui allait déposer au pressing. Là, si le responsable achat a sur son site, eh bien, une conciergerie, c'est lui qui va se dire, ah bah moi je m'en occupe, j'ai une super conciergerie, c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, ce sont des solutions qui sont discutées, ça c'est sûr. Les vestiaires, par exemple, toi où c'est très masculin, ça se passe comment? Au niveau des vestiaires, pour ce nouveau site, alors on n'a pas de partie usine, on a un atelier, une partie atelier prototype. On a de plus en plus de femmes, donc les vestiaires, on n'a plus de, voilà, un vestiaire masculin et puis les femmes vont changer dans les toilettes. Ça, c'est terminé. Après, c'est vrai que sur le même thème que le vestiaire,
y a aussi les toilettes qui voilà, sont discutées, comme on en parlait, Mario. Ouais. Tiens, toilettes genrées, c'est parce que aux États-Unis, il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent les toilettes non genrées. Vous avez été confronté à ça, le choix, Fanny, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez validé, qu'est-ce que vous avez choisi pour le nouveau site? Alors nous, oui, on nous l'a demandé. Ça a été évoqué de ne pas mettre de toilettes homme-femme, mais de mettre simplement une signalétique non genrée. Alors moi, j'ai aucun souci avec ça. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est l'évolution des choses et il n'y a pas de sujet. Ma direction était beaucoup plus frileuse. Je pense que c'est encore difficile peut-être pour certaines entreprises de se positionner sur ce sujet. Ouais. C'est pas un sujet qui a été souhaité d'être validé par notre direction et notre RH. Néanmoins, ça n'a pas été un refus non plus. La seule décision qui a été prise, c'est de permettre, de simplement annoncer aux collaborateurs qu'il peut utiliser n'importe quel WC qu'il souhaite, mais que la signalétique ne serait pas non genrée. Manon ? De mon côté, ça n'a pas été mis sur la table sur la partie pour le nouveau site. Alors, c'est vrai que voilà, on est dans un domaine de la défense, beaucoup de militaires. Ouais. C'est pas le domaine le plus moderne et en avance sur ces sujets-là. Ouais. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui se pose. Il y a plusieurs études qui montrent que tout simplement, c'est physique. Une femme va mettre un petit peu plus de temps aux toilettes qu'un homme. Donc, si on met des toilettes qui sont exactement les mêmes, avec un pourcentage de population similaire, les flux feront que ce sera plus long d'un côté que de l'autre. Donc, est-ce que pour autant il faut faire des toilettes non genrées? Qu'est-ce que ça implique? Voilà, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est quelque chose qui peut être discuté, mais de notre côté, ça n'a pas été. À propos de discussion, vous réagissez sur la partie chat et je vois Marie-Pierre qui nous écrit, que je salue. Il y a Yves qui est là, il y a Bernard, merci d'être là pour ce 12e numéro du MAG. Marie-Pierre qui dit, pas un peu caricatural de dire que les femmes amènent de la douceur et le côté maternel? Réponse, Fanny. Certainement, je sais pas, chacun l'interprète comme il veut. Comme je disais, c'est une généralité, on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous les mêmes comportements. Après, on m'enlèvera pas le fait que malgré tout, la femme a ce côté plus doux et plus en approche d'une construction qu'un homme. Après, comme j'ai dit, c'est pas une généralité, c'est ma... Je suis comme ça, c'est ma vision. Après, voilà. Manon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je n'ai pas la même vision que Fanny sur le fait que c'est vraiment lié au fait d'être genre. Une femme, ouais. Au genre. Je pense que c'est plutôt global, la manière dont on... Voilà notre rôle dans la société qui fait qu'on nous apprend peut-être depuis plus petit à un peu plus prendre en compte ce que les autres pensent, à un peu plus faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, à un peu plus s'effacer pour éviter les problèmes. Donc je dirais plus que c'est un problème d'éducation et de société que réellement lié au genre qu'on a à la naissance. Bon, comment vous voyez l'avenir du métier de DET? Vous pensez que, parce qu'il va y avoir la nouvelle étude qui va sortir, vous pensez qu'on va dépasser les 40% ou pas, Fanny? J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien qu'on soit plus de femmes, ouais, que l'environnement de travail soit à la limite équitable, quoi. Enfin, comme dans tous les métiers, que finalement chacun puisse trouver sa place en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie, de ce qu'il ambitionne, et qui est plus vraiment ce sujet homme-femme finalement. Ouais. On a tous largement les compétences, les appétences, les envies, les motivations. Pas de sujet pour moi, donc on avance. Au talent et à l'envie, quoi. Manon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé forcément, parce que ça dépend du périmètre aussi
des services généraux dans une entreprise, mais dans certaines entreprises, il y a aussi la partie sécurité des personnes. Voilà. Et en fait, il y a des choses toutes simples dans la sécurité qui, bah, c'est pensé pour les hommes et qui, au final, vont créer plus de risques pour les femmes. Ça va être une chose toute bête, mais dans les formations voilà, au premier secours, et ben les mannequins utilisés, ce sont des mannequins d'hommes. Ouais. Donc, ça a créé aussi parfois un malaise. Il y avait une étude qui avait été sortie à ce sujet-là. Alors, des personnes qui ne vont pas oser sur une femme parce que comme ils se sont entraînés sur un mannequin d'homme, de ne pas trop savoir où mettre la main, ce genre de choses. Ouais. Donc, ça peut aussi faire partie de notre périmètre et le fait d'avoir... voilà, un peu plus de femmes dans ces fonctions, ça peut permettre de mettre l'alerte sur ce genre de sujet aussi. Et Yves, sur le chat, nous dit, c'est bizarre, mais compétence, envie, empathie, sécurité sont tous des mots féminins. C'est peut-être pas un hasard, finalement. C'est pas un hasard. Eh ouais. Bon, merci. Merci, Fanny. On va être obligé de conclure parce qu'on va prendre beaucoup de retard. Tu voulais dire un dernier mot, Fanny ? Vas-y. Non, je voulais répondre à Marie-Pierre sur son sujet de la rémunération. Je suis assez d'accord. Faut garder un cap. Oui, Marie-Pierre disait qu'il ne faut pas que la féminisation entraîne une diminution des salaires. Vous, franchement, entre nous, hein, sans nous dire, vous êtes payé comme un homme à poste égal, là ? Non. Sérieux ? Manon ? Si je compare avec les personnes qui ont signé suite en sortie de master, oui. D'accord. Pas de différence. Bon. Vous continuerez à échanger, si vous le voulez, les filles, mesdames, Fanny et Manon, sur le chat avec celles et ceux qui nous regardent. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci beaucoup à toi. Merci, Miguel. C'était très intéressant de vous avoir avec nous. Merci mille fois. On va retrouver d'autres femmes dans quelques minutes, les femmes de la com, Chloé et Clémentine. Mais juste avant, un petit repéré pour vous dans ce magazine avec justement des services proposés aux femmes pour faciliter et alléger leur charge mentale dans leur journée de travail. Regardez. Merci beaucoup. Voilà, je voulais vous faire découvrir des solutions proposées en France, notamment dans quelques instants, pour les femmes. Voilà, l'association Moi et mes enfants propose un concept nouveau à Paris qui ne demande qu'à se développer. Vous voyez en image ce concept, c'est un espace de coworking dédié aux femmes, essentiellement, une très grande majorité, 90% de femmes, seules avec un ou deux enfants, qui peuvent venir y travailler et qui vont profiter en même temps d'un système de garde. On est vraiment à mi-chemin entre l'espace de travail, l'espace de jeu avec table allongée, avec des endroits où les enfants peuvent s'amuser. Il y a vraiment une garderie, il y a l'espace de travail, ça fait 150 mètres carrés, c'est dans le 13e à Paris, c'est unique en France, mais comme ça marche très fort, ils vont ouvrir un deuxième tiers-lieu, hein, c'est un tiers-lieu, toujours dans le 13e, avec en plus un service de restauration, c'est ouvert de 8h30 jusqu'à 20h pour les femmes, donc avec enfants, qui peuvent venir y travailler et on s'occupe de leurs petits. Les espaces dédiés d'ailleurs aux enfants se développent beaucoup, beaucoup dans les entreprises, partout dans le monde, pour accueillir les tout-petits, hein, les 1-3 ans notamment, en dehors des horaires de crèche. Par exemple, ici, là, vous allez le voir en image, dans une société qui s'appelle Heartland, au Japon, où ils ont beaucoup de travailleurs qui viennent de plein de pays, qui n'ont pas forcément toujours le temps d'avoir une crèche, de trouver des facilités pour garder leurs enfants. Et hop, ils ont aménagé un espace avec une personne dédiée pour s'en occuper. À propos de crèche, les solutions inter-entreprises rencontrent beaucoup de succès car elles enlèvent une épine du pied de beaucoup de salariés qui sont en recherche de garde. Donc, parfois, c'est dur de trouver une crèche. Ces crèches sont devenues d'ailleurs un argument de fidélisation pour les salariés. Il est aussi important de rappeler que c'est un intérêt financier pour les entreprises
aussi qui réservent des places en crèche pour les enfants de leurs salariés, qui profitent d'avantages fiscaux, de différentes aides. Alors concrètement, il y a le crédit impôt famille qui permet de déduire 50% des dépenses liées à la réservation de berceaux en crèche pour les salariés. Vous avez la participation financière de l'entreprise qui est déductible de 25% de l'impôt sur les sociétés. Le reste à charge s'élève donc à 25% du prix initial de la place en crèche. Vous voyez, c'est quand même des économies intéressantes. Les entreprises qui créent ou réservent une crèche pour leurs salariés bénéficient aussi dans le dispositif contrat enfance entreprise d'une subvention en hauteur de 55% des sommes engagées chaque année. Vous voyez, c'est assez intéressant de se pencher sur le sujet. Et puis la salariée, quant à elle, bien sûr, a une charge mentale en moins, moins de soucis avec la garde de son enfant, donc plus d'esprit libéré pour bien travailler, être plus performant et avoir un meilleur équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, j'ai essayé de faire très vite parce qu'on est un peu en retard. Et donc, je vais donner la parole maintenant, juste après le jingle, à Clémentine et Chloé pour l'actu de l'association. Bonjour Clémentine, bonjour Chloé. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Salut Chloé. Bonjour Miguel, bonjour Clémentine. Ça va bien ? Oui, ça va. On a un petit souci de jingle ou je ne sais pas si c'est moi. Non, il est passé, c'est bon. Ok, super, parfait. La parole est à vous sur l'actu de l'asso. Super, merci à tous ceux qui restent pour nous écouter jusqu'au bout. Donc pour commencer, les actus de l'asso. Je vais vous parler de Welcome to the Office. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce dispositif qui est un nouveau dispositif d'information co-créé par Workplace Magazine et l'IDÉ. Et donc, l'IDÉ, c'est de justement vous présenter une série de médias qui traitent uniquement le sujet de l'hospitality management en entreprise. Mais qu'est-ce que l'hospitality management ? C'est une nouvelle vision de l'accueil et des services, justement, au service du collaborateur qui séduit de plus en plus d'entreprises. Voilà, donc nous avons réalisé un premier podcast introductif. Julie a donc interviewé Xavier Baron pour quelques minutes. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce podcast. Et le deuxième média qui est sorti il y a quelques jours, donc c'est une vidéo reportage. Une équipe de tournage est partie à la rencontre de la maison Sanofi. Vous voyez en image quelques prises de vue que Chloé nous a sélectionnées. Et donc la firme pharmaceutique a donc choisi une approche purement hôtelière pour accueillir ses collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à aller visionner ces médias. Pour ce faire, vous pouvez soit vous inscrire à la newsletter dédiée à Welcome to the Office, soit tout simplement vous rendre sur le site de Workplace Magazine en cliquant sur la rubrique Welcome to the Office. Voilà, je te passe le micro, Chloé. Merci Clémentine. Revenons maintenant sur l'Assemblée générale ordinaire du 5 avril dernier, où l'association a élu sa nouvelle gouvernance. Nous souhaitons donc la bienvenue à nos nouveaux bénévoles du comité directeur. Vous avez déjà pu la découvrir, Séverine Pilverdier, la nouvelle présidente de l'association. Franck Duhaut, Deputy Facilities Director chez LVMH, et Alexandre Ripo, Western Europe Workplace Director chez Firmenich. Bravo pour l'accent, Chloé. Merci Clémentine, ça va continuer. Et bienvenue aussi aux nouveaux membres qui ont rejoint la commission des membres associés avec Philippe Pelzer, Workplace Manager, Management Expert chez Matners, et Yannick Anezo, Chief Executive Officer chez Panorama. Merci Chloé. Et pour rester dans le domaine de la politique, sachez que l'IDÉ a été représentée au Sénat tout récemment. Donc pour vous expliquer le contexte, nous avions organisé une conférence au Salon Workspace Expo, avec toi Miguel d'ailleurs, sur la diversité et la cohabitation des générations en entreprise. Voilà, et donc ce fut l'occasion pour nous d'inviter la Fédération France Senior à cette conférence, qui a souhaité nous rendre l'appareil et qui nous a à son tour convié à un déjeuner débat au restaurant du Sénat, donc face à la fois forcément des sénateurs, mais également d'autres associations professionnelles. Et donc, ça fut l'occasion pour Fanny Lamarque, que vous avez du coup rencontrée ce soir, qui est membre du comité directeur également de l'IDÉ. Ça a été l'occasion pour elle de nous représenter et de représenter la profession pour parler justement de la séniorité en entreprise et de toutes les problématiques que ça engendre au sein de l'environnement de travail. Voilà. Merci Clémentine. Nous allons maintenant passer à la météo des régions de l'association.
Commençons par la délégation Grand Est. Le mardi 23 mai, des éclaircies sont attendues à Strasbourg pour un afterwork en partenariat avec Eurest au Conseil de l'Europe à partir de 18h. Petite dédicace à Bernard si tu nous entends. Continuons avec l'antenne de Reims. Un vent soufflera sur la ville de Reims le mardi 30 mars et quelques averses seront à prévoir pour un atelier sur le thème du tri à la source, décryptage de vos nouvelles obligations réglementaires et bonnes pratiques pour s'y conformer. Le 15 juin, une perturbation viendra troubler le ciel de la ville de Lyon pour la traditionnelle soirée pétant-grenouille de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 18h. Et enfin, nous terminons avec la délégation Hauts-de-France. La soirée du jeudi 22 juin s'annonce très agitée à partir de 17h30 avec des alternances de soleil et d'averses à Bousigny-sur-Roc et plus précisément à la Ferme Blanche pour fêter les 40 ans de la délégation. Et voilà, c'est tout pour l'actu de l'association. En tout cas, nous vous préparons dans les prochaines semaines une belle soirée conviviale, des trophées des environnements de travail aux nouvelles couleurs de l'association et une version numéro 2 de l'étude sur la filière des services aux environnements de travail. Plein de belles choses à venir en somme. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bel été. Merci Clémentine, merci Chloé, superbe. En maillot de bain, vous êtes magnifique. Merci Miguel. Merci. Merci à Mario, merci à Clémentine Agoun qui a participé à la création, la fabrication de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi en replay, bien sûr. Toutes les infos sont disponibles sur le site de l'idéeidée.fr. On se retrouvera pour le numéro 13 le jeudi 28 septembre à 17h30. Merci à vous d'avoir été là. Merci Bernard, merci Thierry, merci Fanny, merci Manon, merci Marie-Pierre, merci Yves et tous les autres. Rendez-vous donc à la rentrée et d'ici là, passez un bel été. Bye bye.